Son rêve est devenu réalité. Kylian Mbappé fait son entrée dans son nouveau jardin, le Stade Santiago Bernabéu, plein à craquer pour célébrer sa nouvelle recrue. Accueilli en personne sur la scène par un invité gardé secret, Zinedine Zidane. Kylian Mbappé ! Dans un espagnol parfaitement maîtrisé, le français a adressé ses premiers mots aux supporters. Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Que cumplir un otro sueño es de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Plus tôt dans la matinée, le capitaine de l'équipe de France a passé sa visite médicale, avant de paraffer son contrat de 5 ans. Entre son salaire, son droit à l'image et sa prime à la signature, il devrait toucher environ 55 millions d'euros par saison. L'histoire entre le Français et le Real a commencé en 2012. Le pensionnaire de Clairefontaine avait été invité pour un stage. Il y rencontre un certain Cristiano Ronaldo. 6 mois plus tard, lui et sa famille choisissent Monaco. Mais le jeune Kylian a toujours gardé le Real Madrid dans un coin de sa tête. Une histoire qui a déjà convaincu le cœur des supporters. Il a fait l'effort de parler espagnol. Tous les joueurs qui signent à Madrid ne le font pas. C'était surprenant quand Mbappé est apparu et comment il parle espagnol. Il vient à un moment parfait. Nous venons de gagner une Ligue des Champions. Il vient nous apporter des buts pour en gagner 2 de plus, au moins. Presque 12 ans après sa première visite, Mbappé signe avec le statut de superstar. Il arrive à Madrid dans un club dont l'histoire a vu passer de nombreuses légendes. Il n'appartient désormais qu'à lui d'écrire la sienne.